Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Deus Ex Human Revolution. Allez, c'est parti du coup, on va aller donner le Typhoon à Pritchards. Ok, à bientôt. Je trouve ça dégueulasse que l'opinion s'en prenne à David. C'est tout de même pas sa faute si ses fanatiques nous attaquent. Ils croient qu'on leur cache quelque chose. Je ne peux pas croire qu'il était avec pureté absolue. Quelqu'un a dû infiltrer le groupe de Sanders pour les manipuler. Tiens, tiens. Mais c'est Attila qui revient du champ de bataille. Si c'est pour le Typhoon, je suis à vous dans une minute. Pritchard, j'ai pas risqué ma peau pour que vous le paumiez entre trois processeurs et deux circuits intégrés. Écoutez-le, un vrai spécialiste. N'allez pas croire que vous êtes devenu un expert en informatique, tout ça parce que vous avez réussi à pirater la sécurité de l'usine. Je suis obligé de retarder mon examen du Typhoon. Pourquoi ? Parce que j'examine minutieusement les données de sécurité de nos routeurs pour comprendre comment le pirate de Sanders a eu accès à nos codes. Moi, je me serais d'abord demandé à qui étaient ces codes. Sauf si vous le savez déjà. Contentez-vous d'enfoncer des portes et de tuer des gens, Jensen. Laissez le reste à ceux qui savent. Et nous aurons de meilleures relations. Ok. Bon, ça, la mission a été accomplie, impeccable. On va devoir monter maintenant au dernier étage. Pour aller voir Sarif. Il y a l'ascenseur là-bas. Pourquoi il part d'après toi ? David et Hugh Darrow ? Alors ça n'a aucune idée. Tu sais de quoi parler, Bing ? Moi je parle. T'as encore regardé TV et tu veux ça cacher. Tout ce que je dis, Yugi, c'est que si Taggart n'a pas armé Sanders, c'est quand même son discours à l'ONU qui a mis le feu aux poudres. William Taggart est un politicien particulièrement habile. Vous le savez bien, David. Et pour sauver les apparences, vous voulez que je le regarde dans les yeux et que j'avale toutes ces couleuvres à la con ? Avec le sourire. Toujours avec le sourire. Je vous rappelle plus tard. Vous vouliez me voir ? Ouais, vous tenez le coup ? J'ai eu des jours meilleurs. Bon, après ça, allez consulter le docteur Markovic à la clinique Amplique du centre-ville. Ça peut pas vous faire de mal. Si vous y tenez. Écoutez, pour Sanders... Ah oui ? Ça, parlons-en de Sanders. Qu'est-ce qui vous a pris de le laisser s'enfuir comme ça ? Je croyais vous avoir envoyé là-bas pour régler le problème. Alors, un nouveau choix, on peut assumer sa responsabilité, vous m'avez demandé de gérer la situation, c'est ce que j'ai fait. Compter sur l'avenir, je pense qu'il pourra nous être utile. Sanders va tout faire pour savoir qui l'a piégé ou redirigé. Sanders n'est pas le cerveau de cette opération, je vais prendre compter sur l'avenir. Je pense qu'il pourra nous être utile. Sanders a été furieux quand il a réalisé que son pirate était augmenté. Il va tout faire pour savoir qui l'a piégé. Ah. Et vous êtes assez naïf pour croire qu'il vous dira qui c'est quand il l'aura appris. Et moi qui vous croyais prêt pour ça, Adam. Je suis prêt. L'attaque d'aujourd'hui était un coup monté. Je découvrirai qui est derrière tout ça, ainsi que son véritable objectif, pour qu'il ne puisse plus recommencer. Bien, ça me va. Le pirate de l'équipe de Sanders, vous êtes certain qu'il était augmenté ? J'ai arraché ses câbles moi-même. Eh bien, d'après la police, il ne l'était pas. Il refuse de me laisser voir le corps, même après que je les ai menacés de cesser mes dons à leur fonds de retraite. Quelqu'un leur donne peut-être plus. Vous voulez que je fasse quoi, patron ? Faut qu'on puisse voir ce cadavre. Vous avez encore des amis dans la police. Vous pensez que... qu'on vous laisserait rentrer dans la morgue ? Ça dépend sur qui je tombe. Allez au commissariat et débrouillez-vous. Si ce pirate était augmenté, son relais neural nous dira peut-être qui il était. Contactez-moi dès que vous l'aurez. Entendu. Très bien. Alors, on a deux missions, du coup. On doit aller récupérer le réseau neuronal, sur un mort. Et on doit rendre visite à la clinique Amplib. Je suppose qu'on va commencer par ça.
Sarif a insisté pour que j'aille consulter Vera Markovic, le docteur qui a supervisé ma convalescence. Elle travaille à la clinique Amplib sur le 2ème avenue qui mène à Sarif Plaza. Allez, on va reprendre l'ascenseur, on va redescendre. Il y a une belle vue depuis l'ascenseur. Hein. Adam Jensen, veuillez rejoindre votre bureau. Adam Jensen. Alors, j'ai cru entendre mon nom, comme quoi il fallait que j'aille que je retourne vite fait à mon bureau. On va aller voir ça. Ok, donc j'ai mon bureau ici. Il y a quelqu'un dedans. Non, mais qu'est-ce que je fais ici? Je suis Salut Jensen. Ah, ça fait plaisir de vous voir sur pied. Et de retour ici. Vous tenez le coup? Comme je peux. Désolé pour Megan. Je sais que ça doit être dur pour vous. On a bientôt vous perdre, vous aussi. Tout va de plus en plus mal. L'attaque sur le siège social, et maintenant l'usine. Ouais, les temps sont durs. Et vous, Carrera, vous allez bien? À vrai dire, je... J'ai merdé. J'ai complètement merdé. Comment ça? Eh bien, il y a 2 mois, avec Tyndall, vous le connaissez, un des technos de Pritchard, on a commencé à faire sortir en douce un peu de neuroposine des labos. C'est pas vrai, Tim. Vous réalisez que vous pourriez être viré. Ou pire, arrêté si l'entreprise décidait de porter plainte. Qu'est-ce qui vous a pris? Je sais. C'est que... c'est compliqué. Au début, j'étais pas très chaud. Mais j'ai été obligé. Bref, maintenant je veux arrêter. Mais Tyndall a une vidéo prise par une caméra de sécurité qui me montre en train de voler la neuroposine. Et il menace de me dénoncer si j'arrête de l'aider. Je suis mal, Adam. Il faut que je récupère cette vidéo. Je sais que vous êtes très occupé avec tout ce qui se passe, mais j'ai vraiment besoin de vous. Alors, je sais pas si j'ai vraiment envie de faire ce genre de mission. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Que vous récupériez cette vidéo où on me voit. Tyndall doit la garder dans son appartement. Peut-être sur son ordinateur. Et donc? Je le cherche où? Dans l'annuaire? Près de Brooklyn Court. Mais ça risque d'être difficile d'entrer, parce qu'il y a un grand portail sécurisé à l'entrée de son immeuble. Ça m'aurait étonné. Avec une compétence approfondie en piratage, vous pourriez pirater le portique de sécurité. Sinon, il y a peut-être un autre moyen d'entrer. Une échelle de secours, par exemple. Et en quoi est-ce que tout ça me concerne? Ah, Adam, ce serait pas très gentil de votre part de profiter de la situation comme ça. Je suis dans un sale pétrin. Enfin, je dois pouvoir me procurer un mode d'armement pour vous. Mais j'aurais pas cru devoir acheter votre aide. Bon, s'il y a un mode d'armement, ok. D'accord. Racontez-moi tout. C'est vrai? Oh, merci, Adam. Je voyais pas comment m'en sortir. La vidéo de la caméra de sécurité est certainement sur l'ordinateur dans son appartement. Retrouvez-moi devant le parking de la station de métro dès que vous l'aurez. Je me charge de tout. Bon, ça nous fait une mission en plus. On va d'abord aller voir le docteur quand même. Bon, je suppose qu'on va récupérer comme ça des missions secondaires a priori. D'après ce que je vois dans mon interface, les jaunes ont l'air d'être la principale et la bleue, les secondaires. Alors, l'escalier par contre, je suis en train de tourner autour. Il est là-bas. Allez, on va sortir du bureau. Tout ça rappelle de mauvais souvenirs. J'adore mon travail ici, mais savoir qu'à n'importe quel moment... Encore une initiation. L'écran des objectifs vous fournit des détails sur vos missions et objectifs en cours. Vous y trouverez des informations pouvant vous aider à mieux comprendre ce que vous devez faire. Vous pouvez activer ou désactiver les missions pour qu'elles apparaissent ou non sur votre radar. Bien sûr, vous pouvez accomplir une mission qui a été désactivée. Ok, donc on peut activer les missions qu'on veut faire, donc j'aimerais activer celle-ci pour l'instant. Ah non, d'accord. Voilà, comme ça, j'aurai que celle qui m'intéresse pour le moment. Allez, on sort de là.
Madame Reed. Oh, Adam. Excusez-moi, vous m'avez surprise. Et faites-moi le plaisir de m'appeler Cassandra. Vous avez vécu assez longtemps avec Megan. Je vous attendais. Ici ? Pourquoi ne pas être entrée ? Je ne sais pas. Je ne dois pas être prête. C'est votre lieu de travail, mais c'est aussi l'endroit où j'ai perdu ma fille. Je vois ce que vous voulez dire. Je ressens la même chose. C'est difficile pour tout le monde. Je ne crois pas qu'il y ait une bonne manière de vivre ces choses-là. Et je n'ose même pas imaginer ce que vous avez souffert. Après tout ce que vous avez traversé. Ouais. Beaucoup de choses ont changé il y a 6 mois. C'est assez incroyable à quel point ils vous ont changé. Au début, je n'arrivais pas à croire que vous aviez survécu. Vous vous y êtes fait ? Ils ont fait ce qu'il fallait pour me sauver. Et quand on y pense, je peux faire plus de choses maintenant qu'avant. Je suis vraiment ravie que vous le preniez comme ça. Beaucoup d'entre nous ne supporteraient pas des changements aussi traumatisants. Je peux vous demander ce qui vous amène ? Oui, bien sûr. Désolée. C'est au sujet de Megan. Enfin, de ce qui lui est arrivé. Plus précisément, de l'enquête sur ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire ? Pour résumer, je trouve bizarre la façon dont cette enquête a été menée. Vous pensez à une manipulation volontaire ? Oui, ça doit être mon intuition de mère. Mais en parlant aux enquêteurs, j'ai relevé beaucoup d'incohérences. Et puis j'ai fait la rencontre de l'inspecteur Chase. Il m'a dit que tout n'avait pas été fait dans les règles de l'art, même s'il ne pouvait pas le prouver. Et maintenant, vous voulez en savoir plus ? Je n'entendrai plus jamais le rire de ma fille, Adam. Elle ne m'appellera plus jamais pour me demander comment je vais ou me raconter sa journée. On me l'a volée. Même s'il ne peut pas y avoir de justification à ça, je veux savoir pourquoi. Je comprends pourquoi elle vous aimait. Malgré ses modifications mécaniques, vous avez conservé ce qui lui plaisait tant. Alors je vous en prie, aidez-moi à découvrir ce qui lui est vraiment arrivé. Bon, là je vais l'aider, évidemment. Je vais faire cette quête-là. Je n'ai jamais pu mener ma propre enquête sur l'attaque. Je vais le faire. Merci, Ada. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente pour moi. Pour commencer, je dois voir cet inspecteur Chase. Bon, il travaille comme garde de sécurité à mi-temps dans un immeuble de Brooklyn Court. Je vous retrouverai dans le hall de votre immeuble quand vous aurez fini. Comment se fait-il qu'un inspecteur travaille à mi-temps comme garde de sécurité ? Oh, il a pris sa retraite juste après l'enquête. Je ne connais pas les détails. Il vous en dira davantage. J'y vais. Bon, donc on a une nouvelle mission secondaire. Hop, on l'a rendue inactive pour le moment. On va quand même aller d'abord à la clinique Amplip. Zut, alors j'ai encore des missions secondaires qui se sont mises inactives, pardon. Voilà. Allez, on va par là. Alors, je vous avouerai que pour l'instant, je connais pas encore les routes, hein, donc il va falloir que je... Ah, j'ai une carte, au fait. Ok, à gauche, là, et on peut aller directement ici. Très bien. Moi, je soutiens ces manifestations. Amplib pousse à la consommation de médicaments. On va éviter de prendre trop de missions secondaires quand même. Le but, c'est quand même d'avancer sur la quête principale. Mais là, je pense que c'était une mission secondaire intéressante. Ah, monsieur Jensen. David Sarif m'a prévenu de votre visite. Je viens justement d'étudier les résultats de vos tests de la semaine dernière. Je dois relever mes manches ? Bizarrement, non. Je ne vois aucune trace d'accroissement du tissu glial dans vos analyses. Ça fait 6 mois, Doc. Je devrais pas avoir des injections de neuroposine ? Si, en théorie. Mais ces analyses n'indiquent aucun signe de rejet des implants. La liaison entre le tissu organique et les électrodes semble même se renforcer. Alors, je peux y aller ? Eh bien...
Monsieur Sarif m'a demandé d'aborder un autre sujet avec vous. Vous êtes au courant que, lors de votre première opération, certaines mesures de précaution ont dû être prises. Tous les implants n'ont pas été activés, je sais. En fait, il a fallu tenir compte des dégâts causés par l'hématome. Votre cerveau avait besoin de temps pour guérir, le docteur pour s'habituer aux neuroprocesseurs le et les activer de manière autonome au fil du temps. Allez droit au but, Doc. Que veut Sarif ? Il pense que vous êtes sans doute prêt à accélérer leur activation. À l'aide de logiciels appelés kit de dynamisation. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'attendre que mes augmentations s'activent toutes seules ? C'est possible, si vous préférez. Mais Monsieur Sarif a fait une généreuse donation à l'Amplib en votre nom. En échange, vous pouvez disposer à tout moment des programmes de dynamisation liés à vos neuroamplificateurs. Tenez, jetez un coup d'œil. Alors, a priori, on peut acheter des choses ou vendre des articles. Docteur Leblanc, code bleu. Docteur Leblanc, code bleu. 5000 pour un kit de dynamisation. On va en acheter un. Je pense que c'est ce qui est voulu. Très bien, Monsieur Jensen. Faites-en bon usage. Alors. Ah, du coup, j'ai deux kits de disponibles. C'est-à-dire que je vais pouvoir activer une nouvelle chose, d'après ce qu'on avait vu. Analyse les gens et les persuade. Je vais prendre ça, ça a l'air pas mal. Ça a l'activation contextuelle, ok. Alors, ce que je viens d'acheter, c'est l'augmentateur d'intelligence émotionnelle. L'amplificateur d'intelligence émotionnelle du CASI regroupe les systèmes suivants. Le polygraphe optique détecte si votre sujet est influencé par vos arguments ou vos intentions en analysant ses réactions involontaires, comme un rougissement, une dilatation de ses pupilles ou une accélération de son rythme cardiaque. L'analyseur de personnalité vous fournit des indications sur la personnalité à laquelle vous êtes confronté. Le diffuseur de phéromones de système libère des phéromones artificielles conçues pour influencer sur le comportement. Lorsque le sujet parle, observez le nombre de cases qui s'illuminent sous chaque type de personnalité, alpha, oméga, bêta. Le type dominant s'illuminera illuminera le plus de cases au total. Sélectionnez la phéromone correspondante dans le menu venu. Bon bah ça, je suppose qu'on verra ça quand on aura à faire un interrogatoire. Mais très bien, comme ça on va surtout avoir tous les discours de disponibles. Très bien. Alors, je vais faire rapidement les deux missions secondaires que j'ai. On va faire le lien matériel, trouver l'emplacement de l'inspecteur. Le choix du moindre mal. Manifester n'est pas un délit. Je le sais bien. Et après, je vais surtout me concentrer quand même sur les missions principales. Et on fera peut-être quelques quêtes, comme celle de la mère... Vous avez fini à la clinique ? Pour l'instant. Bien. Pour le moment, je veux connaître l'identité de ce cadavre. Allez au commissariat et récupérez son relais neural. Et Adam, si vous n'arrivez pas à les convaincre, ne forcez pas le passage. Il y a certainement une autre entrée quelque part. Très bien également. Alors... Par où j'accède aux appartements, par contre. Ok, il faut que j'aille ici. On continue par là. Grayson m'a refilé du matos de première. Si ces augmenteurs me cherchent, crois-moi, ils vont tomber. Je crois que je vais faire augmenter mon pitbull. Des cyberpads, des cybercanines, la totale. Cette ville est un dépotoir, et elle le restera. Alors, niveau de sécurité 2. On va essayer quand même. Allez, on pirate. Niveau du logiciel de capture trop bas pour pirater l'appareil du niveau de sécurité. D'accord, donc je peux pas faire ça pour l'instant. Eh ben, on fera ça un petit peu plus tard quand on aura des améliorations.
Du coup, on va aller voir les liens maternels. La neuropolysimine. Neuroposine. Ça veut dire qu'il faut que je prenne un kit de dynamisation d'abord pour le piratage. Il faudra que je fasse ça assez vite. Et c'est à dire que je peux faire que du niveau 1 pour l'instant. Ça va vite me gêner, je pense. Bonjour. Vous devez être Adam Jensen. Quel sens de l'observation? Madame Reed m'a prévenu que vous passeriez peut-être. Et ne le prenez pas mal, mais vous ne passez pas inaperçu. Je vais prendre ça pour un compliment. Elle dit que vous avez des informations concernant l'enquête sur la mort de Megan Reed et l'attaque du siège social de Sarif. Ouais, quel merdier. Une vraie guerre des tranchées. On a eu les fédéraux sur le dos, des instructions venant de trois services différents. C'est un dossier très sensible. Ah, pardon, j'ai cliqué sur Madame Reed, vous pensez que certaines procédures n'ont pas été respectées? Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous connaissez la musique. Madame Reed m'a dit que vous avez été dans la police. Dans une enquête, ça arrive qu'un inspecteur un peu fainéant laisse tomber certaines pistes. Mais là, c'était plus que ça. Comment ça, plus? Trop de choses ont été laissées de côté. Tout le monde voulait la conclusion tout de suite. Et chaque fois que j'ai insisté un tant soit peu, j'ai été rabroué par ma hiérarchie. Les gens voulaient classer cette affaire et vite, ce qui n'est jamais bon signe. Dites-moi que vous avez quelque chose de plus sérieux. Eh bien, en fait, c'est là que vous entrez en scène. Il y a deux pistes que j'ai dû abandonner. J'ai commencé à tâter le terrain, mais ces types, apparemment du gouvernement, m'ont foutu les jetons. J'ai eu peur. À quelques mois de la retraite, je voulais pas tout foutre en l'air. Mais vous, vous avez les moyens d'aller au fond des choses. Alors qu'est-ce que vous avez? D'abord, cette rumeur comme quoi l'ordre de classer l'enquête venait de très haut. De plus haut que la police de Détroit. Et si cet ordre existe, il a dû passer entre les mains du capitaine Penn. Il y en a peut-être des traces sur l'ordinateur de son bureau. Je peux toujours aller faire un tour au commissariat local. Ouais, et puis tant que vous y êtes, il y avait un inspecteur affecté à cette affaire. Chet Wagner. Pas exactement un enfant de cœur. C'est pour ça que quand on lui a confié l'affaire, j'ai trouvé sa louche. Quelqu'un l'a mis là dans un but précis. Et je mettrai ma main au feu qu'il a falsifié des preuves. Allez lui parler. Voyez ce qu'il sait. Ok. Je vais rendre une petite visite à l'inspecteur Wagner. Il est sans doute dans l'entrée. Il a été rétrogradé pour conduite indigne, et maintenant, il prend les dépositions. C'est pas un client facile, mais je suis sûr que dans son bureau, vous trouverez quelque chose pour faire pression sur lui. C'est au troisième niveau, et il y a forcément de quoi lui délier la langue. Autre chose qui pourrait m'intéresser? Ouais. Quand l'ordre de classer l'affaire est arrivé, les pièces à conviction ont été enfermées dans l'entrepôt. Vous pourriez le fouiller, on ne sait jamais. C'est dans la ruelle, juste à côté du commissariat. Le code est 48-91. Mais je sais qu'une agence extérieure a eu accès à cet entrepôt. Alors soyez prudent. Merci pour les conseils. Bah, de rien. Oh, et s'il vous plaît, inutile de vous embêter à revenir ici me raconter ce que vous aurez trouvé. Si je peux vous aider, c'est très bien, mais moins j'en sais sur cette affaire, mieux je me porte. Pourquoi avoir pris votre retraite pour devenir garde de sécurité? À vous entendre, son bien que votre ancien boulot vous manque. J'adorais l'idée d'être dans la police. J'ai toujours voulu m'engager, depuis tout petit. Mais à un moment, j'en ai eu marre. C'est pas comme je me l'étais imaginé. C'est un boulot. Il y a des gens qui le font bien et d'autres qui s'en foutent. Et ça se voit. Cette affaire, l'affaire Sarif, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Comment vous êtes-vous retrouvé sur cette affaire? Je ne l'ai pas demandé, si c'est ça que vous sous-entendez. Pour être franc, je n'en voulais pas. Pourquoi? J'étais un flic honnête, Jensen. Je me suis toujours efforcé de respecter la loi à la lettre, y compris toutes les procédures. Pas vraiment ce qu'on attend d'un enquêteur sur une affaire comme celle-là. Vous avez parlé d'une agence extérieure qui aurait eu accès au dépôt. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, j'ai vu, enfin, on m'a raconté, que des agents du gouvernement avaient pu enfermer certaines pièces à conviction sensibles dans un coffre à l'intérieur du dépôt. Allons, Chase. Pourquoi vous me dites pas tout? Merde. Bon, écoutez. Je suis allé fouiner dans l'entrepôt et j'ai trouvé le code du coffre. Mais je me suis fait prendre par un de ces types. Il sait que je sais, Jensen. Si je vous donne le code, ils sauront que ça vient de moi. Traitez-moi de pessimiste si vous voulez, mais je sais que ça finirait mal pour moi. Alors, on peut appuyer sur espace pour utiliser les phéromones convaincre. Phéromones utiliser convaincre chaise de vous donner le code du coffre.
Alors, les alphas peuvent être apaisés, les bêtas peuvent être charmés, donc là, c'est ce qu'on va faire. Et les omégas peuvent céder la pression, donc on va essayer de le charmer. Allons, Chase. Vous êtes un gars bien, un policier intègre. Dans un polar, vous seriez le bon flic. Au fond de vous, vous avez envie de faire ce qui est juste. Et le code du coffre est crucial. Je ne suis pas un héros, Jensen. Juste un type normal. Mais c'est vrai que j'ai toujours essayé de faire ce qui est juste. Le code est 7196. Faites-moi plaisir. Essayez au moins de pirater ce truc avant d'entrer ce code. Avec un peu de chance, ça les fera douter. Très bien, alors du coup, par contre, ça nous a ajouté plein de missions secondaires. Donc là, il va falloir aller à l'entrée du commissariat, tout ça. Oui, il y a plein de choses à faire pour cette quête secondaire-là. Et on a des codes par contre, mais je sais pas trop s'il y a un endroit où on peut récupérer les codes. Parce que je vous avouerai de ne pas les avoir notés. Bon. On verra ça plus tard. Allez, on va enquêter. J'ai un point de dynamisation dispo. Alors est-ce que je peux pirater quelque chose en plus du coup? Alors, effectuer les piratages de niveau 2. Ok. Bon, on va prendre ça et on va pouvoir du coup aller faire la deuxième mission secondaire rapidement. Allez, c'est parti. On a 4 essais, niveau de sécurité de 2. Alors voyons voir. Oula, il y a un truc spam, je sais pas ce que c'est ça. Moi, il faut que j'aille par là. C'est parti. Oh, ça va vite. Accès refusé. Alors, attendez, il va falloir que je... fortifie des choses. On a encore 4 essais. Ah, il faut que j'attende quelques secondes pour pouvoir réessayer. C'est allé très vite. Par contre, il y a une grosse différence entre le niveau 1 et le niveau 2. Hein. Alors, je sais pas trop ce que c'est que le spam, mais ça pourrait peut-être nous aider. De toute façon, on est obligé de prendre ça, qu'on va fortifier directement. Accès refusé. Ah, je vous avouerai que je sais pas trop comment passer là. Enfin, j'attends un nouveau 30 secondes. Il y a une logique que je n'ai peut-être pas trouvée. Ah, sinon, est-ce qu'il n'y a pas une échelle éventuellement par laquelle on pourrait passer, qui pourrait nous permettre d'accéder par là? J'ai pas vraiment l'impression. On va retenter. C'est qu'il est hyper rapide lui. Accès refusé. Bon, pour l'instant, je sais pas comment passer.
Allez. Accès autorisé. Yes, ok. Bon, on a réussi à passer. On va pouvoir continuer maintenant. Ok, encore du piratage. Un niveau 1 seulement là. Accès autorisé. Ok. Ok, bon, le journal. Tous les locataires, le poste de sécurité 002. Ok. C'est automatisé. Quoi? Tu crois pouvoir me laisser tomber comme ça? Allez, mec! Il me faut ma Europe! Putain, j'ai mal! M'oblige pas à devenir méchant, Tyndall! Une carte électronique, ok. Alors du coup, on va aller voir ce Tyndall. Ne me tuez pas! Je regrette ce que j'ai pu faire de mal. Jensen? Qu'est-ce que vous faites ici? Je pense que vous vous doutez de ce qui m'amène, Tyndall. Je veux la vidéo sur Carella. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Je suis le responsable de la sécurité pour Sarif Industries. Je dois pouvoir retrouver les traces d'une caméra de sécurité bidouillée. Alors épargnez-moi ces conneries. Eh merde. Écoutez, Jensen. Je n'ai jamais voulu en arriver là. Je suis pas un type méchant. J'ai de la peine pour Carella, sincèrement. Mais parfois, pour une juste cause, la fin justifie les moyens. Oh, parce que c'est pour une juste cause. Ah, je vois. Vous pensez que c'est pour la revendre. J'imagine que c'est le premier mobile qui vient à l'esprit d'un ex-policier. Mais croyez-moi, il faut pas toujours se fier aux apparences. Je revends pas la neuroposine. Je la donne pour rien. Vous la donnez? À qui? À ceux qui en ont besoin. Vous croyez que tous les augmentés ont eu le choix? Non, un accident et puis voilà. Vous vous retrouvez condamné aux injections de neuroposine à vie. Et ce truc coûte une fortune. Et vous n'avez pas le choix. Sans ce médoc, vous mourrez. Syndrome de rejet, douleur incapacitante. C'est injuste. Alors j'ai fait la seule chose à faire. J'ai pris mes responsabilités. Quelles que soient vos raisons, Carella veut arrêter et c'est son droit. Un chantage reste un chantage. Je ne partirai pas sans cette vidéo, Tyndall. Pour l'instant, le film, c'est le dernier de mes soucis. J'ai deux dealers sur le dos qui me reprochent de faire chuter leurs bénéfices avec mes actions caritatives. Et vous avez un autre problème. Un client armé vous attendait dans votre appartement tout à l'heure. Ah bon? Dans mon appartement? Merde. Ça, c'est un coup des dealers. Écoutez, le client, je m'en occuperai plus tard. Mais chargez-vous des dealers et je vous remets la vidéo. Écoutez, vous avez raison. Vous êtes dans de sales draps. J'aimerais pouvoir vous aider, mais c'est votre problème.
Vous devez assumer et le régler vous-même. Vous me rappelez mon père. Et heureusement pour vous, je le respectais beaucoup. Tenez, voilà la vidéo. Je trouverai bien un moyen de m'en sortir. Ok, bon, on a récupéré la vidéo. Impeccable. On va retourner voir Carella et on va en terminer du coup avec cette mission. Par où je passe? Par là. Non. Vous l'avez récupéré? Adam, je vous en prie. Vous devez récupérer cette vidéo. J'ai votre vidéo. À charge de revanche, Tim. Oui, quand vous voulez, Jensen. Oh, merci du fond du cœur. Je vais pouvoir respirer. Venez, voilà votre mode d'armement, comme promis. Vous avez de la chance que je vous dénonce pas, Sarif. Si je vous surprends encore à faire quoi que ce soit de louche, je passerai pas l'éponge aussi facilement. Compris? Ouais, je comprends. Et même si c'est facile à dire, je suis désolé. Alors, on a récupéré un système de visée laser. Cool. Bon. Eh bien, écoutez, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve prochainement pour la suite de Deus Ex Human Revolution. On va reprendre la mission principale la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine.